Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale pour Ned et puis peut-être pour vous si jamais le problème vous concerne. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du 144 Hz. Il y a des écrans à 144 Hz qui sont parfaitement accessibles. C'est sûr, pas si vous avez 12 ans, mais il y a 300 €, on finit par les trouver si on en a vraiment envie. C'est ce que Ned a fait, il a changé d'écran pour prendre un 144 Hz. Et je l'ai prévenu de faire attention parce que le 144 Hz affichable par l'écran n'est pas forcément le nombre de Hz affiché. Ça veut dire que votre écran peut atteindre ces 144 images par seconde, mais pas forcément. Beaucoup de gens, alors moi qui vais chez des gens pour les aider avec leur ordinateur, ça m'arrive de croiser des gens qui ont un super écran et en fait quand je check l'écran il est en 60 Hz. Il peut atteindre les 144 mais il a décidé de ne pas se mettre en 144 Hz. On va voir rapidement pourquoi, on va voir qu'est-ce qui conditionne cette possibilité, ce qui si ça se trouve va vous conduire à ne pas acheter un écran 144 Hz, et on va voir comment on fait pour essayer de lui forcer un petit peu la main. C'est pas garanti que ça marche mais de temps en temps ça fonctionne. Étape 1. Une fois que vous avez branché votre écran, comment savoir s'il est en 144 Hz ou pas? Pas compliqué. Clic droit. Windows 10. Hein. Clic droit, paramètres d'affichage. Paramètres d'affichage avancés. Et vous allez sur afficher les propriétés de l'adaptateur. Voilà, vous avez cette sympathique fenêtre qui va s'ouvrir. Vous cliquez sur « Lister tous les modes » et vous allez voir celui qui est souligné. C'est le vôtre. Moi, vous voyez que je suis en 2560 par 1440 et en 144 Hz. Alors, vous voyez aussi éventuellement qu'il y a des valeurs extrêmement figées. Hein. Vous voyez que c'est que du 59-60, 120, alors 119, okay, pourquoi pas, 144. En général, c'est plutôt du 60, 120, 144. C'est un peu les grands paliers. Mais c'est important de retenir ça parce que c'est aussi avec ça qu'on va jouer un petit peu. Et c'est là que vous allez découvrir, avec stupeur peut-être, que vous êtes en 60. Et puisqu'il liste tous les modes, c'est là que vous pouvez, si jamais vous êtes en 60, aller cliquer sur 144 et voir comment l'écran se comporte. Si l'écran ne peut pas tenir la distance, pour X raisons, vous allez avoir un écran noir pendant 5-6 secondes, vous patientez, et ça va revenir à la valeur d'avant. Donc paniquez pas. S'il tient les 144, bah, félicitations, vous avez réussi à changer l'histoire. Je m'en vais de là. Imaginons que votre écran ne supporte pas le 144, c'est-à-dire que vous avez fait ce petit changement-là, l'écran est devenu noir. S'il est bien foutu, il vous aura gentiment affiché que la dimension est... j'ai plus le terme exact... Or je sais pas quoi, merde. Je sais plus comment il dit exactement, mais en gros, il vous dit c'est au-delà de mes capacités. Beaucoup de gens pourraient laisser tomber là, mais en fait, on va voir qu'il y a une petite possibilité. Pour ce faire, on va passer par le logiciel de fonctionnement de votre carte graphique. Pourquoi votre écran refuse d'afficher 144? Vous l'avez payé. Il est censé pouvoir y aller, pourtant ce con-là il n'y va pas. Il n'y va pas pour deux raisons. Première raison, votre carte graphique. Il faut que la carte graphique puisse envoyer 144 Hz, 144 images secondes. Les petites cartes graphiques n'y arrivent pas forcément. Déjà c'est le premier obstacle. Si vous avez une carte graphique très moyenne, essayez même pas d'acheter un écran 144 Hz. C'est de la confiture au cochon, il va se mettre en 60. Achetez un écran 60, vous allez gagner du pognon. Deuxième raison qui fait qu'il ne veut pas aller en 144 Hz, figurez-vous, ça dépend du type de câble que vous avez mis entre l'écran et la carte graphique. On a grosso modo 4 systèmes de branchement. On a le VGA, le DVI, le HDMI et le DisplayPort. Alors en VGA, c'est pas vraiment la peine d'essayer. En DVI, c'est possible.
Les câbles DVI ont l'air de bien tolérer 144 Hz, parfois, sur une bonne carte graphique. Le problème, c'est que les ports DVI sont plus très courants sur les cartes, ça se fait plus trop en fait. Le HDMI n'aime pas vraiment le 144. Ça, ça a été ma grande découverte. Le HDMI, il est fait pour du 120 maximum. C'est très rare qu'il accepte du 144. Et je dis c'est très rare parce que je peux pas figer ça dans le marbre. Parfois, ça passe. Ça dépend. Alors, sûrement de la carte graphique, hein, très honnêtement. Je suppose que les cartes graphiques hyper puissantes, elles vont arriver à faire passer du 144 par du HDMI. Il se trouve que moi, actuellement, ma carte graphique, quand j'ai mis des câbles HDMI, 120 maximum, 144, elle pouvait pas. Je vous livre mon expérience. Et donc, dernier coco, le DisplayPort, et le DisplayPort est fait pour du 144. Il aime, il adore ça, c'est vraiment super qualitatif. Alors, il y a de plus en plus de moniteurs qui proposent des DisplayPort, surtout quand on part dans les moniteurs censés faire beaucoup de Hertz, avoir une grosse fréquence. Les cartes graphiques de compète ont évidemment des DisplayPort maintenant, hein, c'est le standard du gaming. Bon, je dirais presque que j'ai l'impression que le HDMI c'est un peu le standard de la vidéo et que le DisplayPort c'est le standard du gaming. Donc si vous mettez des DisplayPort, eh ben, il y a de grandes chances que votre écran 144 il se dise ah ben, tiens c'est bizarre je peux maintenant alors que je ne pouvais pas avant. Donc il y a ces trois paramètres, il faut que l'écran puisse, il faut que le câble, le système de branchement, c'est pas tant le câble en soi, hein, c'est le prise, et le système de branchement l'accepte, DisplayPort si possible, et il faut que la carte graphique soit assez puissante pour. Et il y a un petit bonus en plus, moi je l'ai découvert parce que j'ai plusieurs écrans, le DisplayPort est gourmand en électricité, en énergie, de base. Quand vous lui demandez du 144 Hz sur plusieurs écrans, eh bien, il est d'autant plus gourmand parce que c'est du display, parce que vous mettez la fréquence de rafraîchissement à 144. Et au final, il faut une bonne alim. Si vous avez une mauvaise alimentation, eh bien, en fait, votre carte graphique elle va pas arriver à envoyer toutes ces informations dans les deux écrans en DisplayPort. Et il va se produire ce qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire qu'un des deux écrans, de temps en temps, va devenir noir. Comme s'il ne marchait plus, puis se rallumer après. En fait, la carte graphique, elle en coupe un, parce qu'elle a un fichu de fournir assez d'énergie pour maintenir les deux. C'est de là que venaient tous mes problèmes avec l'ordinateur d'avant. Avant que je refasse la config et que je change la lime, j'avais pas assez de puissance pour la carte graphique, pour fournir les informations. Et du coup, mes écrans, de temps en temps, devenaient noirs. Et parfois, devenaient noirs de manière quasi permanente. Il fallait redémarrer l'ordinateur. C'était une question d'approvisionnement d'énergie. Et même avec la nouvelle alim que j'ai, qui est pourtant pas dégueulasse, il m'arrive quand je sollicite vraiment l'ordinateur qui a beaucoup de périphériques branchés dessus, il arrive que l'écran secondaire devienne noir. Alors ça arrive une fois tous les 3 mois, hein, mais ça arrive que l'écran secondaire devienne noir une fraction de seconde, ce qui est le signe qu'en termes de puissance, il est vraiment arrivé à la limite, quoi. Donc voilà le brossé rapide du schéma. Carte graphique, câble, écran, donc les trois autorisent à avoir du 144. Et admettons que, malgré votre bonne volonté, ça ne veuille toujours pas. Il y a donc une petite solution qui va vous demander de passer par le logiciel de votre carte graphique. Donc pas par le système de gestion de Windows, mais par le système Nvidia pour les GeForce et par le système AMD pour les cartes AMD. Je vais ouvrir, voilà, mon panneau de configuration Nvidia. Vous voyez que la première option, il est bien centré, oui, il est bien centré. Ma première option, en haut à gauche, c'est changer la résolution. Vous avez tout le délire de résolution possible. Sur la droite et sur la gauche, vous avez les fréquences accessibles. Si vous essayez là de vous mettre dans la résolution que vous voulez avec du 144 Hz, faites le test. Normalement, ça ne devrait pas marcher puisque ça n'a pas marché en essayant de manière classique en passant par Windows. Si jamais ça ne marche pas, il vous reste une possibilité et une seule. C'est au lieu de lui demander 144, vous allez lui demander 143, 142, 141, 140. Voilà.
Vous allez descendre jusqu'au moment où il va bien vouloir accepter. Et comment est-ce qu'on va dans ces fréquences bâtardes? On va en bas sur le petit bouton personnaliser. On lui demande de créer une résolution personnalisée. Et dans la case ici, on va rentrer la valeur de fréquence de rafraîchissement qu'on souhaite. Alors, honnêtement, si vous n'arrivez pas à du 144, essayez d'abord du 120. 120, si ça se trouve, ça va très bien vous convenir. Si vraiment vous voulez aller dans ces taux de rafraîchissement-là, ben voilà, essayez 143, 142, 141. Vous faites tester en bas et l'écran va devenir noir. Et s'il se rallume, c'est qu'il accepte. S'il reste noir et qu'après il revient à ça, c'est simplement que la résolution était trop élevée pour lui. Et il se trouve que moi, là actuellement, les deux écrans que j'ai, à cause de ce système d'alimentation, l'écran secondaire sur le côté, il n'est pas à 144, il est à 142. 142, il passe. 144, c'est trop pour lui. Et vu que je vous ai dit qu'il devenait noir de temps en temps, je suis persuadé que si je lui disais peut-être 140, il y aurait peut-être plus. C'est ce petit blink noir une fois tous les 36 du mois. Mais bon, voilà. Franchement, c'est l'écran secondaire, ça me dérange pas que de temps en temps il blink un petit peu. C'est pas ça qui va le faire exploser. Voilà, ce petit bouton personnalisé vous permet de créer les résolutions que vous souhaitez. Il vous permettrait même, idéalement, et c'est débile ce que je vais dire, de modifier aussi les pixels horizontaux et verticaux pour obtenir des résolutions complètement inexistantes et déformées, mais personne n'en a besoin, bien évidemment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à Net sur comment faire pour passer en 144Hz quand l'écran n'y va pas de lui-même ou quand Windows refuse de le faire. Je ne serai pas en état de vous dire où ça se cache dans le Catalyst Control Center AMD, mais il doit fatalement y avoir un endroit où on est capable de changer la résolution et un petit bouton pour mettre des résolutions personnalisées. Je vous avoue que si c'est pas le cas, bah dommage, acheter des GeForce en fait.